Il y a beaucoup, beaucoup de mythes qui circulent sur comment faire pousser la barbe. Et en fait, il n'y a pas vraiment là, de remède miracle. S'il y a une solution magique, ben, rappelez-vous, la magie, ça n'existe pas. Donc, une des choses qu'on entend souvent, c'est l'huile de ricin. C'est vrai que dans l'huile de ricin, il y a un composé qui va favoriser la pousse du poil. Par contre, d'appliquer l'huile de ricin, il ne va pas faire pousser la barbe. C'est un peu comme dire, pour augmenter mon taux de fer dans le sang, je vais mâcher un clou. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, la pousse de la barbe, c'est la génétique et c'est la santé, c'est l'hygiène de vie. Donc, on s'en remet à ça, puis ensuite de ça, bien, on peut juste entretenir la barbe qu'on a, s'assurer d'avoir la bonne coupe, puis les bons produits pour en prendre soin. Essayez pas de vous frotter un oignon sur le visage ou faire des masques avec des avocats ou des œufs. Ça va juste perdre votre temps puis faire un pas pire dégât aussi dans la salle de bain, je pense. Ben, c'est vrai de toute chose dans la vie, tout ce qui n'est pas nettoyé se salit. Donc l'important, c'est de se nettoyer, n'est-ce pas? Donc nettoyer la barbe ici qui va être à cet effet. Mais fondamentalement, il y a pas de raison pour qu'un visage barbu soit plus sale qu'un visage sans barbe. C'est sûr, on a la bouche, on a le nez qui est autour de la barbe. Donc c'est vraiment juste d'avoir une routine de soins comme il faut avoir une routine d'hygiène de sa personne. En plus, le fait d'avoir la barbe va protéger le visage, va protéger la peau par exemple des rayons UV. Donc il y a des avantages aussi, il y a des bienfaits au fait de porter la barbe. Donc vraiment, c'est ça. Il suffit de la nettoyer pour pas que ça soit aussi sale qu'un des poils de chien. Non, l'eau va pas réussir à tout déloger les impuretés et puis le sébum qu'on cherche à enlever quand on nettoie la barbe. On se laverait pas le corps juste en prenant une douche sans savon. Ça prend vraiment un élément, que ce soit un savon ou que ce soit un détersif, un surfactant. Ça prend quelque chose pour venir aller accrocher là, les impuretés puis l'excès de gras qui peut se loger. Donc, même le fait de juste utiliser de l'eau, ironiquement, peut avoir un effet asséchant sur la barbe. Donc, c'est important d'avoir un produit qui est adapté pour nettoyer la barbe de manière efficace.